Mesdames et messieurs, bonjour. Le profil quelque peu vallonné ne devrait pas inquiéter les purs sprinteurs. Leurs équipiers auront à charge de maintenir une allure soutenue au sein du peloton pour rattraper les aventureux du jour et organiser un sprint massif en vue de la Croix de Lorraine. Les gars, il y a quelques bosses aujourd'hui, mais ce ne sera pas suffisant pour éviter un sprint massif. Bonne journée. Les coureurs viennent de s'élancer et ça attaque déjà. Le peloton vient de rentrer. Il n'y a donc plus personne échappé. Ça s'anime en tête de peloton. Les hommes de tête creusent l'écart, mais ils ne sont pas dangereux pour le classement général. Une minute pour l'échapper, c'est bien parti. Les équipiers ont déjà commencé la poursuite, probablement pour arriver au sprint. L'échappé creuse l'écart, mais il n'y a personne de dangereux pour le général. Bravo les gars! Continuez comme ça! Ouais! Courage, hein! On continue! Allez les gars! Courage! Bon rouleur, il n'a pas vraiment de points forts pouvant effrayer ses adversaires. Le peloton roule fort, restez bien placés! Allez les gars, courage! Ok, j'ai attaqué. C'est un rouleur qui se débrouille pas trop mal au sprint en cas d'arrivée en petit comité. Par contre, les boss ne sont pas du tout ce qu'ils préfèrent. Rouleur avéré, le Suisse Stefan Bissegger est un spécialiste du chrono. Attention à lui, une fois lancé, difficile de le rattraper. Allez les gars, courage!
L'échappée perd du terrain. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Dernier pointage avec l'échappée, une minute. Allez les gars, courage! L'écart diminue les gars, le peloton devrait jouer la gagne. Il ne reste plus que 20 km pour l'échapper et une bosse à franchir. Ce sera très compliqué pour résister au retour du peloton. Ok, on va relayer fort. Et voici le dernier classement de la montagne avant l'arrivée. Il y aura un point en jeu dans la course au maillot à poids. L'échappée est en train de résister au retour du peloton, mais ça va être compliqué. La dernière difficulté est maintenant franchie pour l'avant de la course. Encore un peu moins de 14 km pour eux avant l'arrivée à Colombey-les-Deux-Églises. Allez les gars, courage!
30 secondes d'avance pour la tête de course. Regroupement général, tout va donc se jouer dans le final. Allez, plus que 5 km. Les équipes de sprinteurs sont en train d'emmener le peloton à très vive allure. L'emballage final se prépare, les sprinteurs sont aux avant-postes, ils ne vont pas tarder à produire leur effort. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape, ce mur en auxois, Colombel et deux églises. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Jasper Philipsen. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Bon, on visait un top 10 sur cette étape et c'est raté. C'est dommage.